Rim Morgan a commencé à s'intéresser dans la salmodie des Hassaïd avec son adhésion à la Dara Nairul Maram de Gedewaï en 1993 à la section Pipi. C'est en 1994 qu'il eut à performer pour la première fois en marge du Grand Magal de Cuba, continuant son dur apprentissage qui lui facilita son ascension. Serigne Morgan a eu le privilège de diriger le Kurel 3 de la Dara susnommée avant d'intégrer en 1998, soit 4 années plus tard, le Kurel 1. Après avoir été guidé dans ses premiers pas par son oncle en la personne de Serigne Ahmed Kassé, actuel membre du Kurel Nairul Maram et de celui de la Dara Hizbou Tarhia d'Arokoudos, Serigne Morgan put intégrer la Dara Hizbou Tarhia d'Arokoudos en 2000. Une fois dans la Dara Hizbou Tarhia d'Arokoudos, il fut testé par Serigne Matar Guen. Serigne Morgan intégra alors le Kurel 3 en 2001. Sous la supervision des doyens d'âge tels que Serigne Lamine Sey, il eut à gravir lentement mais sûrement les échelons. Parlant de gravir les échelons, Serigne Morgan s'attela à distribuer les doles des Hassaïd aux différents membres du Kurel lors des prestations comme celle faite dans la nuit du Magal. Ce n'est qu'en 2008 qu'il put intégrer le Kurel 1 et fit sa première prestation officielle en 2009, coïncidant avec le Magal de Touba. En outre de son intégration à la Dara Hizbou Tarhia d'Arokoudos, Serigne Morgan est aussi membre du Kurel Sélection de Gedewaï, dénommé Cheikhoul Khadim. Dans cette Kurel, il est en compagnie de Serigne Ahmed Kassé, Serigne Djili Ndiaye, entre autres. Comme pratiquement tous les membres de la Dara Hizbou Tarhia d'Arokoudos, Serigne Morgan ne s'est pas limité à la Salmodie, titulaire d'un BFM et d'un bac arabe, acquis respectivement à Al-Azhar et à Cheikh Zahir, et tailleur de profession, ou contribuer à cette attente du Cheikh qui glorifie le savoir et le travail. En valeureux mouride, Serigne Morgan dit vouloir ancrer sa vie dans le champ de Cheikh Ouna, Ahmadoul Khadim.